Yo tout le monde, c'est Ayem. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, les gars, sur Ander Herrera et David Alaba. On va passer maintenant, on va parler maintenant de la carte de Ander Herrera en première. 4 de geste technique, 4 de mauvais P, les mecs. Voilà, c'est un MC. Du coup, ouais, il a une bonne vitesse. Manque un peu de vitesse, 82, c'est un peu faible. 82 tirs de loin, ouais, c'est un peu bof, ouais. En vrai, ouais. 84 de finition, ouais, c'est pas mal. En vrai, la frappe, c'est moyen aussi. La frappe, c'est moyen aussi, comme la vitesse, les mecs. En passe, franchement, rien à dire. Franchement, très très bonne passe. En dribble, juste équilibre et agilité, ouais. Équilibre, agilité, les mecs, il manque un peu. Donc voilà. Après, il a tout. Niveau défense, il a tout. Et niveau physique, il a tout, les mecs. Du coup, franchement, belle carte. Sauf qu'il manque un peu de vitesse, de frappe et de l'agilité et l'équilibre. Il manque trois choses sur sa carte. Ou sinon, très très bonne carte, les mecs. On va parler du défi pour avoir Ander Herrera. Il faut un joueur Liga, Conforama 1. Il faut une note générale, équipe 83 et collectif 60. Après, vous avez fini ce défi-là et vous récupérez de Ander Herrera. Est-ce que je conseille cette carte? Bien sûr, les mecs. Bien sûr, parce qu'il peut évoluer. Et Paris Saint-Germain, il peut gagner la finale, comme le Bayern. Comme le Bayern, ils ont les chances, donc voilà. Moi, je vous le conseille, les mecs. On va parler de la carte de Alaba. Voilà. David Alaba. Moyen, moyen en attaque. En défense, ouais, ça va. Franchement, ça, l'accélération, il manque un peu. Franchement, les mecs, il manque un peu. Ou sinon, ça va. La vitesse, ça va, il manque rien. Et l'équilibre, agilité, ouais, ça manque un peu. En défense, très très bien. Très très bien niveau défense. Et le physique aussi, il est bien. Et du coup, voilà. Des très très bonnes détails attributs. Franchement, des très très bonnes cartes attributs. Moi, j'aurais dit, les mecs, mettez pilier. Hein. Mettez pilier pour cette carte-là. Du coup, voilà. On parlait du défi pour avoir Alaba. Faut un joueur Budenski, les gars. Minimum 1. Faut une note générale, équipe 85 et collectif 65, les mecs. Et après, vous avez fini ce défi-là et vous récupérez Alaba, les mecs. Voilà. Franchement, Alaba, il doit être pas mal aussi, comme Herrera. Mais franchement, en DC, voilà quoi. Tu vois, c'est pas son poste normalement. C'est pas son poste en DC. Normalement, c'est DG, tu vois. Mais je vous le conseille aussi. Franchement, les mecs, est-ce que je conseille les deux cartes? Franchement, oui. Parce qu'il peut évoluer. Les deux peuvent évoluer, les mecs. Franchement, faites-les, les gars. Faites-les. Du coup, voilà, c'était mon avis de Ander Herrera et Alaba. N'hésitez pas à dire votre avis sur vos... N'hésitez pas à dire votre avis dans l'espace commentaire pour les deux cartes. Et c'était IM. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!